vous n'avez pas remarqué souvent, c'est que le père ou la mère fait. Les enfants copient. Ou ça retombe sur les enfants, ils commencent à faire la même chose. Moi, mes enfants n'ont pas fait ça. Dit que les autres ont volé leur bénédiction. Et puis les gens... Ce sont des choses qui se répètent. Ça veut dire que la maman a passé toute son existence à accuser sa grande, sa soeur, sa petite soeur, qui a volé sa bénédiction. Les enfants aussi grandissent, ils commencent aussi à accuser leur tante d'avoir volé leur bénédiction. Ça continue, c'est une forme de malédiction qu'elle a. Mes enfants ne feront pas ça. Je montre à mes enfants comment chercher la face de Dieu, comment obéir à la voix de Dieu, et comment respecter leur dîme. Je leur montre moi-même ce que j'ai fait là. Quand mes enfants quittent, ils vont ailleurs, ils commencent à copier ce que maman fait. Si tu as passé toute ton existence en train d'accuser quelqu'un de ton malheur, tes enfants vont copier la malédiction, là, ça va continuer comme ça. C'est comme ça. C'est dommage. C'est étonnant que les enfants sont en train de reproduire ce que leur mère a fait. Elle a passé son existence à accuser, à condamner. Les enfants aussi continuent. C'est ça. Il ne faut pas montrer ces choses comme ça aux enfants. C'est une forme de malédiction qu'elle a. Quand tu es maudit, là, tu te comportes comme ça. Quand tu es béni, là, tu sais que c'est Dieu qui bénit. Et tu sais que ton ennemi, c'est Satan. C'est le mal qu'il faut combattre. C'est le jugement, la condamnation qu'il faut combattre. Et pas ton frère accuser telle personne de vol, de bénédiction. C'est une forme de malédiction. C'est un esprit impur qu'elle a là, qui fatigue les gens. Et ça continue dans les villages, dans les familles, ça règne, dans les, cet esprit-là règne dans les familles. Personne ne chasse ça. On continue de juger, de condamner les autres, ceux qui sont en train de réussir, là, ceux qui sont en train d'avancer. Là. Vous pensez que Dieu il est bête? Dieu n'est pas bête. Hein? Dieu sait comment les gens ils ont souffert, ils ont fait pour arriver là. Si toi, tu ne vois pas Dieu, tu penses que Satan est plus fort que Dieu. Il est venu t'arracher ce que Dieu t'a donné là. Tu vas rester dedans comme ça. Tes enfants vont continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ, rien. Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Celui qui veut continuer n'a qu'à continuer. Vous savez, les choses comme ça là, ça ne dérange pas ceux qu'on l'accuse. Hein, parce que ça ne va même pas empêcher Dieu de continuer à les bénir. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu va continuer à plus les bénir même.